Bienvenue, Frère Maxime. Nous sommes contents avec vous matin pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour capables baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, Wadewa Seigneur des Seigneurs, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour. Merci, Papa, pour une autre journée qu'on accorde nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour pardonner péché, nous pardonner faute, nous imprégner nous de cet esprit, qu'on s'en va comprendre. Et mettez en pratique tout ça qu'on voulait apprendre nous matin. Avec nous, dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus qui vit dans nos siècles et siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. Aujourd'hui, c'est jeudi 9 mai. Titre leçon, c'est la vérité triomphante. La vérité qui triomphe. Malgré attaque ennemie, Zev bon Dieu sous la terre a atteint un point glorieux. L'évangile a continué à prêcher à toute nation, à toute tribu et à tout peuple. C'est ça, Apocalypse 14, verset 6 dit. Grand conflit entre Christ avec Satan l'a fini par la victoire totale de Christ sur les puissances de l'enfer. Royaume bon Dieu a va triompher du mal et péché a va éradiquer, éliminer de l'univers à jamais. Apocalypse 11 commencé par tentative que Satan fait à travers la Révolution française pour détruire la foi chrétienne et éradiquer croyance dans mon Dieu. Mais chapitre 11 là, il finit avec un triomphe, une victoire du royaume de Dieu sur les principautés, sur les principes du mal, sur les puissances du mal et encourager tout le monde qui a traversé des épreuves pour la cause de Christ. Pour yon capable de rester ferme. Yon mande nous pour lire Apocalypse 11, les versets 15 à 18. D'après verset sa yo, qui événement qui a produit à la fin des temps lorsque 7e trompette là la va sonner. En nous lit ensemble dans Apocalypse 11, verset 15 à 18. Nous invitons pour capable chercher texte à tout et de manière à ce que nous capable lire. Et nous capables de répondre à la question qui pose à Apocalypse 11, verset 15 à 18. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Amen. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Eh bien, Frère Maxime, le royaume Moutsa, nous voyons venir le royaume Christ. Ça veut dire que nous mettons, ouais, et tout le monde a le pouvoir, et les princes de ce monde, les gouvernements, eh bien, Christ a fini par régner sur la terre. Christ est victorieux, le mal est vaincu. Jésus gagne et Satan perd. La puissance, la justice triomphe, la vérité règne. Nous ferions bien de tenir compte de l'instruction suivante. En nous tenant compte de l'instruction ça, qui dit ce qui est édifié sur l'autorité humaine tombera, mais ce qui se repose sur le rocher immuable de la parole de Dieu subsistera éternellement. Donc, Frère Maxime, si yon bagay c'est sous autorité humaine que l'édifié, eh bien, li gagne pour le tomber. Mais s'il édifié sur le rocher humiliable de la parole de Dieu, eh bien, l'a prêté éternellement. Ellen G. White, Tragédie des siècles, page 250. À présent, on m'a demandé pour nous lire dans Apocalypse 11, verset 19. Qui sa Jean ouais dans le ciel là? Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Eh bien,
le temple de Dieu dans le ciel, li ouvri, Jean a contemplé le temple là, Jean a gardé lieu très saint, li ouais arche de l'alliance là dans le sanctuaire et sanctuaire ça et que nous songe qui était dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'était modèle de grand sanctuaire céleste là. Donc ça l'a gardé, c'est pas copié mais c'est original là. La présence glorieuse de Dieu qui révélait entre les deux figures angéliques façonnées sur le couvercle de l'arche de l'alliance. Dans l'arche, c'est là que nous joignons la loi de Dieu. Bien que nous soyons sauvés par la grâce, seul par la foi, l'obéissance à la loi de Dieu a révélé l'authenticité de notre foi. Ça veut dire, nous sauvés par grâce, mais pour nous montrer que nous avons foi authentique, pour nous montrer que nous croyons dans mon Dieu, c'est à travers les œuvres que nous avons produit. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent nous pour nous pas glorifier nous, mais si nous sommes monde qui croit dans mon Dieu, eh bien c'est action qui va le prouver qu'on croit dans mon Dieu. Si on croit dans mon Dieu, est-ce qu'on est capable de tuer monde? Est-ce qu'on est capable de commettre adultère? Est-ce qu'on est capable de voler? Non. Donc c'est ça qui fait que la loi de Dieu, li là, c'est pas lui-même qui sauve, mais la loi de Dieu, c'est principe pour tout le monde qui sauve, tout le monde qui accepte la grâce de Dieu pour y suivre. Je dis nous la loi de Dieu est la base ou la norme du jugement. Jacques 2, verset 12, ça veut dire c'est selon sa loi, bon Dieu, dit que nous prenons le juger. Eh bien, donc, dis-nous, ce fait devient particulièrement important et pertinent à la fin des temps. Nous capables de lire dans Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Qui Jean contraste, qui frappe entre l'impiété de la Révolution française, nous, et qui Jean, dans la Révolution française, fait tout ça qu'on connaît pour éradiquer la parole de Dieu. Et qui contraste nous, qu'on y a là, nous, et dans le fin chapitre là, c'est dans le fin chapitre Apocalypse 11 là, c'est bon Dieu qui triomphe. Hein? Qui Jean ça interpelle nous, aujourd'hui. Ça doit interpeller nous parce que mal que nous connaissons sur cette terre, inégalité sociale. Et monde qui riche cap prige monde qui pauvre, monde qui gagne pouvoir, qui seulement gagne pouvoir pour yo capable plein poche, qui pas tenu compte de besoin et de la population, eh bien toute bagaille soit passé, les royaumes de ce monde a passé. Mais bon Dieu, gagne un royaume d'amour, un royaume de justice côté que a gagne égalité, pas gagne monde ni monde riche ni monde pauvre, pas gagne ni monde blanc ni monde noir. Tout le monde availlon seul devant mon Dieu. Eh bien c'est ça que mon Dieu lui-même lui offrit nous. Donc frères et sœurs, en nous accepter, en prêcher l'évangile ça tout côté de passer parce que c'est la bonne nouvelle. Eh bien frère Maxime, c'est comme ça nous présenter le son matin qui gagne pour titre la vérité triomphante. Nous invitons pour baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans cela, nous comptons matin parce que la vérité a triomphé. Nous comptons Seigneur Dieu parce que souffrance nous yo, douleur nous yo gagne pour finir. Parce que ou promettez la vie qui pas jamais fini. Seigneur Dieu, aidez-nous chaque jour pour nous marcher. Aidez-nous chaque jour pour nous continuer. Quoi dans la réalité ça? Quoi dans l'espérance ça? Enseignez-le, partagez-le avec l'autre monde de manière à ce que Jésus ca retourner. Avec nous dirigez-nous, nous pas bon pas dire, mais c'est une prière, c'est un nom petit tout Jésus qui vit qui nous siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois frère Maxime, on était content ça avec vous. Nous invitons pour capable partager vidéo ça, partager leçon ça avec un autre monde comme ça lui même tout la va toucher. Deux messages ça, c'était fort Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.